Je viens aujourd'hui pour un petit hall, t'es mieux? J'ai le nez qui me pique. Je vous souhaite déjà une très très bonne année à tous, avec une bonne santé, beaucoup d'argent. Voilà, c'est le principal. Après, voilà, tout le surplus, c'est du plus. Voilà, je vais pas parler 20 ans. Je suis restée hors des caméras parce que plus l'envie, plus. Voilà, je ne filme même pas ce que je fais en scrap ou en crochet. Trop de choses sur YouTube qui ne me plaisent plus, déçues. Je pense que je ferai des hauls, ça c'est sûr, de temps en temps. Et puis voilà quoi, c'est tout. Malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc allez, on y va tout de suite. Alors je vais commencer par le scrap et la laine, et je finirai par le tout ce qui est autre, c'est-à-dire chaussures, habits, enfin, vêtements et tout ce qui est cuisine, parce que donc ma sœurette m'a fait cadeau du air fryer, pardon, faut oublier le air, je m'en sers beaucoup, mais bon, le problème c'est que je n'ai pas vraiment d'ustensiles pour mettre dedans. J'ai de très grands plats, moi, pour mettre dans les fours de 60, mais pas sur cette petite cavité de 4 litres. Donc là, je m'en sers beaucoup. C'est super, franchement, il n'y a pas de préchauffage, voilà, c'est rapide. Voilà. Bon, après, vous allez sur le net, il y a plein de vidéos, de tutos pour faire à manger. Bon. Et moi, je suis donc sur TikTok, une nana qui est d'ici, du 13, qui s'appelle Lily Motivation. Je vous mettrai un cas en haut, son petit nom de scène dans TikTok. Être sympa, tous les jours elle fait des petites vidéos. Elle a déjà fait un livre d'ailleurs sur la pâtisserie. Elle fait tout air fryer. Oh, j'ai du mal. Et beaucoup de petites recettes vite faites. Voilà. Ce qui est important, c'est ça. Voilà, donc allez, on y va, on est parti. Donc, petite fleur. Alors, tout ce qui est scrapbooking. Alors, j'ai pris que des matrices, hein. J'ai pas pris de papier parce que le papier, bah, j'en ai. Et puis, voilà quoi. Alors ça, ce sont des fleurs. Ensuite, je mettrai bien sûr les liens si j'ai le temps, surtout ça. Donc là, j'ai pris du muguet parce que, alors on le voit pas bien, j'ai pris petit brin de muguet. Bien sûr, ils ont mis l'étiquette juste à l'endroit. Alors je vais le tourner pour que vous le voyez. Comme ça, vous allez le voir un peu mieux. Si j'arrive à le re-rentrer. Bon, alors, comme je l'ai sorti, je vous le montre. Là, dans ce sens-là. Voilà, juste le feuillage et le petit brin de muguet, hein, en fait. Hein. Enfin, en fait, le sachet était trop petit pour le truc. Donc, si je le remets à l'envers, c'est pareil. Hein. Ça me revient au même. Ouh, purée, ça me gonfle ces sachets là. C'est trop chiant. Voilà. Donc là, vous allez le voir. Voilà. Petit brin de muguet. Ensuite, petite vigne. Vigne vierge, je dirais. Je tousse pas jusqu'à maintenant. Hein. Je fais la vidéo, taille, je tousse. Je pense que c'est le plastique. Et ici, j'ai un Happy Birthday qui est très joli sur un gâteau. Voilà. Donc, je vous montre comme ça. Je me mets derrière, comme ça, vous y voyez un peu mieux. Il est pas mal. Hein, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le changement d'écriture. Voilà. Donc, j'aime bien. Je vous montrerai ce que ça fait comme découpe. Voilà. Et ici, ce ne sont que des petites fleurs. Mais alors, écoutez, elles sont minuscules. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez.
très 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 petite. Alors, je vous montrerai tout ça incessamment sous peu. Donc, ensuite, je vais vous faire la laine. Donc, j'ai pris un lot parce qu'il y a beaucoup de lots. Alors, j'ai pris ce lot. Voilà. C'est pour les amis gourmis ou autre chose. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez avec votre laine. Moi, c'est pour des amis gourmis. Du style, voilà, je me fais beaucoup de petits trucs comme ça. Ici, on a une petite citrouille, mais blanche. Je me fais mes paniers, par exemple, comme ça. Petit panier, voilà. Bon, enfin, moi, plein de petites choses, les amis gourmis, hop, comme ça, petit truc kawaii là. Vous voyez, ça va super bien pour le point, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai pris une couleur beige, marron, ocre, on va dire, et marron. Par contre, je vais faire des petits tests et ça, je vous montrerai avec le numéro. Donc au crochet, alors eux, pour des aiguilles, c'est du 3,75 4,5. Et pour le crochet, c'est du 4,5. J'y crois pas trop, hein, parce que je le trouve très fin. Enfin, très, très fin et épais à la fois, parce qu'il y a 6 fils. Mais je ferai des essais avec différents crochets. Voilà. Parce que plus ou moins, on tricote serré, pas serré. Voilà. Donc, il y a déjà ce lot-là. Ensuite, j'ai pris un lot de rose. Très rose flashy que je mélangerai à du blanc. Voilà. Donc celui-là est très joli aussi. Alors c'est tout du coton normalement. Alors celui-là est très épais aussi. Enfin, je le trouve très épais. Voilà. Et il n'y a rien sur la pelote qui me dit. Donc pareil, je ferai des essais avec du 3, en partant du 3 parce qu'il est très très épais. De 5, ça sera trop petit. Crochet 3, et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. Et ensuite, j'ai pris un lot de coton. Alors, je vais vous le sortir parce que. Alors, il y a un lot avec ces couleurs-ci. Ça va. Là, celui-ci. À l'écran, vous le voyez corail, mais il est vraiment très rouge. Voilà. Après, le reste, non, ça correspond. Mais alors, celui-ci, c'est bizarre. Si je l'approche, non, il est toujours couleur orangée. Si je recule, vous voyez, on voit corail. Hein. Pourtant, c'est du rouge vif. Hein. Donc, il y a celui-ci. C'est un lot de 3. Il y a celui-ci. Voilà. Alors celui-ci c'est pareil, il apparaît rose un peu, mais il est rose fuchsia en fait. Voilà. Donc après le reste, non, ça va, c'est à peu près. Celui-ci c'est du saumon. Voilà, beige, marron, bleu roi, bleu. Et celui-ci c'est du bleu turquoise. Hein. Voilà. Alors dedans vous avez 8 fils, hein. 8 couleurs de fils, pardon. Et le dernier, donc, c'est celui-ci, avec du gris, du vert, du noir, du blanc. Enfin, c'est plutôt du beige pour moi, c'est pas du blanc. Et celui-ci, qui n'est pas vilain, c'est du jaune, jaune pétant. Et celui-ci, du jaune citron. Voilà. Donc, je vous mettrai tout ça, pas de soucis. Voilà, donc ça pour la laine et le scrap, c'est fini. Je vais passer donc au air fryer. Donc air fryer. Voilà. Désolée pour le bruit, hein, bien sûr. Donc j'ai pris des moules. Alors celui-ci, c'est un 18 cm. Alors moi, c'est un 4 litres. Hein, mon air fryer. D'accord? Voilà, 4 litres. Et ça, c'est pour les gâteaux. Enfin, quand je fais un petit cake ou machin, c'est très bien. Pour moi, ils sont tous énormes. Ça, je pense que c'est
Le deuxième que j'ai pris, je ne sais plus ce que c'est le panier. Voilà, j'ai trouvé, c'est le panier qui va dans le air fryer, comme ceci. Voilà. Parce que bien sûr, quand la cuve est chaude, pour attraper, c'est pas évident. Hein. Voilà, donc il y a ça. Il est, vous voyez, il rentre l'un dans l'autre parce que j'ai pris cette dimension. Par contre, là, ils m'ont envoyé un truc. Alors, ils l'ont tout aplati. Il va falloir que je les remette. Vous savez, c'est des papiers sulfurisés qui sont en panier. Donc, j'ai pris votre. Moi, le mien, c'est un Medec. Et il fait 20 sur 20, la cuve. Donc, j'ai pris du 20 sur 20. Alors, 20, c'est ici. Hein, à partir de là à là. Voilà. Ça, ce sont les rebords. Donc, il va falloir que je les remette en forme. Là, j'ai pris, et ils ne veulent pas tenir, ça glisse. Donc, le même que l'autre, mais en 20 cm. Alors. J'enlève le plastique, hein. Désolé, mais voilà, ça c'est du 20. On le voit, c'est beaucoup plus grand. Si vous mettez le petit à l'intérieur, voilà. Regarde, la différence, elle est énorme. Donc ça, c'est du 20. Et celui-ci rentre pile poil dans la cavité. Voilà. Dans mon panier. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Un deuxième panier, mais qui se rentre, là, vous voyez. Alors. Je ne sais pas. Voilà, celui-ci donc sera bas et vous faites ça et vous l'agrandissez. Voilà, il est plus solide que l'autre quand même. Voilà, c'est pour les frites. Si vous voulez faire un gratin, vous pouvez le faire là-dedans. Voilà, et j'ai pris celui-ci. Alors, vous le verrez mieux une fois sorti parce que là, sinon, comme c'est du noir. Et celui-ci, donc, vous le voyez comme ça. Et bien, vous allez le voir comme ça. Regardez, vous les sortez. Vous les rentrez comme vous voulez. Hein. Voilà. C'est pour faire des cupcakes, ce que vous voulez. En fait, voilà. Des œufs, peu importe. Voilà. Vous avez cette cavité. Pile poil, ça rentre pile poil dans mon truc. Impeccable. Et ensuite, j'ai pris donc la grille pour faire les viandes. Les viandes, vous voyez. Donc, vous avez la grille. Ici, vous la posez comme ceci, de ce côté. Et vous avez donc quatre petites brochettes que vous posez ici, sur le dentelé, bien sûr. Et vous pouvez faire des petites brochettes, donc du style, je sais pas moi, brochettes de crevettes, des brochettes de viande, hein, des boulettes, voilà, peu importe. En dessous, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un papier. Important, dans le air fryer, ne jamais mettre quelque chose dessus, hein, parce que ça serait aspiré, ça mettrait le feu. Voilà, donc un conseil, ne jamais rien mettre par-dessus. Voilà. Pas de papier, vous mettez en dessous les papiers, mais pas au-dessus. Voilà. Parce que c'est une air pulsée et ça risque de foutre le feu. Voilà, pour la cuisine, c'est fini. Donc ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'est cuisine et ça va manger. J'ai un sac de faire. C'est un... comme un adhésif en fait qui supporte pas mal de kilos de poids. Vous avez dû le voir sur sur Temu. Voilà, il est là, vous voyez, il est transparent, autocollant, ça colle et ça peut supporter je sais plus combien de kilos. Donc je vais tester, hein, et puis je vous dirai si ça marche ou pas. Voilà, parce que ça, c'est pas très cher à l'achat, hein, mais
n'avais pas besoin de 40 000 rouleaux. Voilà. C'est juste pour voir si une étagère tiendrait, pour éviter de faire des trous en fait. Hein. Et après, vous pouvez le déplacer, le remettre ailleurs. Voilà. L'avantage, c'est ça. Alors, maintenant, on passe aux vêtements. Donc, vêtements, vêtements direct. Hein. Allez, on y va. Donc là, j'ai pris un pull. Alors, je m'éloigne un peu. Un pull pour mon mari. Donc, il est très, très joli. Hop là. Je ramasserai après. Voilà. Et il est très, très épais. On peut le dire. Je vous le dis, moi. Et à l'intérieur, il est doublé. Regardez, à l'intérieur, comment c'est. C'est un genre de feutrine. C'est... Vous risquez pas d'avoir froid avec ça. Hein? Alors, les manches, je ne sais pas. Je vais regarder. Oui, les manches jusqu'au poignet. Voilà. On voit bien la démarcation, là, ici. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est très, très doux à l'intérieur, franchement. Donc, s'il met que ça, ben, franchement, il n'a pas froid. Je vous le remontre encore une fois. Voilà. Il est très, très joli et très long. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, ça, c'est le pantalon de mon fils. Il a commandé pour son boulot parce que le pauvre il travaille dehors sur une plaque, il a très très froid. Et encore, oui, il y en a qui vont dire mais vous êtes dans le sud, mais vous savez quand vous avez le Mistral en face, mais il faut y rester hein, dehors. Et c'est un thermo pareil, il est doublé de moumoute, donc voilà pour travailler. Donc il va être heureux. Il va moins se geler. Donc voilà, je pense que c'est assez petit quand même. Je pense qu'il s'est un peu trompé de taille. Bon, il essayera. Hein. De toute façon, c'est comme un collant, donc il faut que ça colle. Ensuite, j'ai pris un jean. Alors, attention, les jeans de Temu, ce ne sont pas des Lévi-Strauss. Hein. Voilà, c'est pas le même prix déjà d'un. Et la qualité, alors moi qui connais bien le jean, je peux vous dire que c'est pas très épais, mais ça va. Voilà. Donc il est très joli. Ça, il n'y a plus à mon mari, comme ça. C'est exactement le même 501, c'est des 501 qu'il a actuellement, mais en marque, quoi. Voilà, donc on va tester la chose. Et si je vous dis franchement que il y a 70% de coton, 23 polyester, donc voilà quoi, il n'est pas vilain, hein, regardez, devant, derrière. Il a exactement le même en Lévi-Strauss. Mais comme je vous ai dit, c'est pas du tout. Voilà, maintenant on va voir si ça lui convient ou pas. Il essayera tout à l'heure. Il va être un petit peu long, je pense. Après, j'ai pris un pyjama, mais j'ai pris très très grand. Hein, parce que, bon, je suis pas maigre, hein, comme ça, je t'ai dit ça. Hein. J'ai pris très grand parce que moi, j'aime pas que les pyjamas serrent. J'ai horreur de ça. Moi, j'aime que ça soit. Voilà. De toute façon, même dans la journée, j'aime bien que ça soit. Ouais, tout rose, normal. Tout simple. Alors, le haut, c'est ça. C'est un haut normal, on va dire. Et le pantalon. Par contre, très joli, il est à carreaux. Voilà. Et il est très grand aussi. Je n'aime pas que ça colle. Et par contre, en bas, on a l'élastique. Ça, c'est bien parce que quand nous, on se gèle ici, le matin, il fait 13 dans la... Oui, vous avez bien entendu. Il fait 13. Après, dans la journée, ça remonte, nous, hein, s'il n'y a pas de Mistral. Hein, mais... Sinon, on est comme les autres. Il hein. Faut pas croire que parce qu'on est dans le 13, qu'on se promène à poil. Hein. On n'est pas à La Réunion, quoi. Voilà. Donc, j'ai trouvé qu'il était mignon. Donc, je vais le garder bien au frais, au cas où. Et je l'essayerai. Et voilà. Et ensuite, donc, on a pris une paire de chaussures chacun pour tester, justement.
Donc lui, il a pris cela. Je vous les montre. Je répète. Désolée pour le bruit, hein, mais il ne faut pas faire autrement. Hein. Alors, ça et ça, je vais mettre ensemble. Parce que si on doit les renvoyer, voilà. Elles sont très, très jolies. Voilà. Regardez. Elles sont mignonnes. Voilà. De plus près. Toutes simples, hein, voilà. Moi, mon mari aime bien ce style de chaussures, un peu. C'est souple en même temps, c'est pas rigide. Donc là, ben, il y a les protections qu'on va enlever. Hein. Voilà, très très joli. Pareil, je vous mettrai le lien des chaussures. Et moi, j'en ai pris pour moi, mais je crains fort qu'elles soient trop grandes. Déjà là, dans le sachet, ça me paraît. Donc, je vais les essayer. Moi, j'ai pris celle-ci. Voilà, elles sont toutes simples. Mais c'est, je pense que c'est énorme pour mon pied. Voilà. Mais il n'y a pas de la pointure, elle est à l'intérieur. Ouais, j'ai pris 39. Alors bon. Parce que sinon, j'ai toujours mal au bout, là, tout le temps, avec les coutures. Parce que bon, moi, je suis même pas allergique à toutes ces coutures qu'il y a un peu de partout. Là. Et même dans les vêtements, hein, ça me gratte où il y a la couture, justement. Donc là, il y a la taille. Voilà, ben c'est ça, c'est 39. Hein. Voilà. Donc, je vous montre la deuxième. Pas tant qu'à faire. Voilà, vous avez donc les deux. Elles sont assez jolies. En plus, les lacets sont faits. Quel bonheur. Parce que vraiment, ça, j'ai une. C'est pas un truc. J'aime bien l'arrière. Bon, c'est plutôt aussi pour cet été, en sortant avec des soquettes et voilà. Un truc clair. Voilà. Voilà. Très, très joli. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai fini. Finalement, ça a été vite fait. Donc, je suis à 22 minutes 38. Donc, ben, écoutez, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt. Alors, peut-être pour du scrap ou pas, je n'en sais rien. Je vous dis franchement, j'ai même plus envie de filmer. Parce que c'est trop contraignant. C'est, voilà, ça prend du temps. Les gens ne me regardent pas. Donc, quel est l'intérêt de faire quelque chose? Donc, voilà, moi l'idée pour moi YouTube c'est du partage, donc là je vous partage mon haul Temu, donc après partager du scrap et tout ça, pourtant je peux vous dire que si vous voyez l'installation que j'ai, c'est il y en a de partout, mais voilà quoi, je me régale, hein. Je continue à en faire du scrap, hein. Faut pas croire que parce que je ne filme pas, Je ne fais rien, je continue, je tricote à côté, mais voilà. Bon, je suis plus tricotage, on va dire. Les petits amigurumi, j'aime bien. Je suis en train de faire en ce moment Madame Peach pour mon petit-fils. Ensuite, je vais faire Todd de Mario Bros. Voilà, je fais pas mal de choses en amigurumi après, voilà, ça me fait passer le temps, j'aime bien. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous dis portez-vous bien, encore bonne année à tous ceux qui viennent de s'abonner, qui se sont abonnés, qui nous sont abonnés depuis longtemps, toutes les copinettes du scrap, je vous oublie pas, hein, voilà, je continue à faire des échanges dans le groupe des 26 scrap. Donc, moi, ça me suffit pour l'instant, voilà. Je vous fais gros bisous, bye bye!